Dans cette session donc sur l'intelligence artificielle et les SHS, alors pour la petite histoire, hein, l'intelligence artificielle fait pour l'instant pas partie des axes de la mèche, mais dans des projets qui se regroupent, hein, autour d'un axe sur les données non structurées, c'est envisageable de développer des collaborations fructueuses, et je pense qu'on va le voir à partir des présentations qui vont être faites. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Sarah, donc pour 20-30 minutes de présentation, et puis on discutera, on posera des questions, et voilà, à toi la parole. Merci. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Je suis Sarah Kebir, je suis doctorante en informatique au laboratoire CRIL-ELM de l'Université d'Artois. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon sujet de thèse, qui est intitulé « Approche légère pour une solution de maison intelligente pour personnes âgées ». Je vais commencer par parler du contexte des enjeux de la problématique, suivi de la smart home et l'IA au service des seniors. Ensuite, j'aborderai les défis du développement des smart homes et je terminerai avec l'acceptabilité des solutions smart home par les seniors. Alors, nous assistons aujourd'hui à une forte augmentation de la proportion des personnes âgées en France, ce qui est dû notamment à l'arrivée aux âges avancés des générations du baby boom, ainsi que le prolongement de l'espérance de vie à 60 ans. D'après les prévisions démographiques de l'INSEE, ils estiment que la proportion des personnes âgées de plus de 60 ans dans les Hauts-de-France représenterait près de 30% de la population d'ici 2050, soit presque un individu sur trois aurait plus de 60 ans d'ici là. Et ils estiment également que plus de 300 000 de ces seniors seraient en perte d'autonomie. En parlant de cette proportion de la population, ils expriment plusieurs besoins qui orbitent autour de trois grandes dimensions qui sont interliées entre elles. On trouve donc la santé, le bien-être psychologique et le bien-être financier. Ajoutons à cela le souhait fortement partagé de vouloir rester à domicile le plus longtemps possible. Donc, comment répondre à cette problématique ? Une des solutions est de nature technologique et c'est la maison intelligente spécialement conçue justement pour les personnes âgées. Qu'est-ce qu'une maison intelligente ? Elle est composée c'est une résidence qui est équipée de divers composants matériels tels que des capteurs, des actionneurs ou des dispositifs de stockage, qui communiquent entre eux justement via un système de communication au sein de la maison et assurent des services qui sont généralement contrôlés par des composants applicatifs, par exemple des applications mobiles sur téléphone ou autres. Pourquoi la maison intelligente ? Parce qu'elle offre plusieurs services parmi lesquels on peut trouver l'assistance à la vie quotidienne, la sécurité, la santé, la commodité et le confort, l'économie d'énergie, divertissement et autres. Donc on trouve bien que la maison intelligente elle apporte de réels avantages à la santé et au bien-être des seniors. Mais plus concrètement parlant, enfin plus techniquement parlant, les divers services offerts par la Smart Home et l'IA pour les seniors résident plus en un suivi des activités de la vie quotidienne de la personne. En parlant de suivi des activités de la vie quotidienne, il y a
Ok, je pense que ça va aller. Merci. Il y a par exemple cette solution commerciale, Autonomie, qui justement, elle se base sur le suivi de la vie quotidienne de la personne grâce à des capteurs placés un peu partout dans les pièces de la maison. Et elle a deux interfaces. Donc au sein de la résidence de la personne âgée, il y aura les capteurs là qui vont détecter que la personne elle est dans la cuisine, enfin le matin, enfin de telle heure à telle heure, elle est dans la cuisine. Puis elle a passé une certaine période dans le salon, puis elle s'est endormie. Enfin, elle est rentrée dans sa chambre, etc. Et grâce à ce suivi-là, les aidants ou les enfants de la personne, ils pourront savoir que fait leurs parents. Donc, ils vont en quelque sorte retracer le quotidien de la personne pour pouvoir juger de même à ce que tout va bien pour le parent ou pas. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Et la solution dont je viens de parler n'est pas vraiment intelligente parce qu'elle se base sur des mesures issues de capteurs. Puis c'est à la personne, donc aux enfants ou aux aidants, de vérifier et de prendre plutôt et de deviner si tout va bien pour la personne ou pas, en quelque sorte. Mais justement, l'IA, elle peut intervenir pour décider ou, comment dirais-je, justement détecter les anomalies, les situations à risque auxquelles peut faire face la personne d'elle-même grâce aux données que des capteurs directement sans intervention humaine. Donc, parmi ces situations-là, il y en a plusieurs. On peut citer les chutes, les troubles de sommeil, etc. Parmi les solutions commerciales qui font ça, on peut trouver l'Apple Watch qui récemment, ils ont intégré l'option détection de chute et on peut même effectuer, donc selon l'activité de la personne, elle se base généralement sur un accéléromètre qui est au sein de la montre. Et lorsqu'il subit un choc, il y a une détection de chute et ils offrent aussi la possibilité d'effectuer un appel d'urgence. Parmi les solutions non intelligentes permettant cela aussi, il y a ce qui est très répandu actuellement, surtout dans les résidences des EHPAD ou les structures d'accueil pour personnes âgées, il y a la téléalarme ou les fournisseurs d'alerte médicale. Là, c'est contrairement à l'Apple Watch juste avant, elle ne détecte pas la chute. Donc, c'est juste signaler en cas d'urgence, passer un appel en cas d'urgence. Mais si la personne n'est pas dans la mesure d'effectuer justement cet appel d'urgence, il n'y aura personne qui saura que la personne âgée est dans le risque. Et alors, pour continuer toujours dans les services offerts par la Smart Home et l'IA aux seniors, on trouve aussi le suivi, les recommandations, cette fois-ci pour assurer plus de confort ou d'économie d'énergie pour la personne, donc tout ce qui est chauffage ou climatisation au sein de la maison, par exemple. Voilà, et encore une fois, plus en détail, si on venait à parler de l'IA, comment fonctionne l'IA derrière ? Elle se base généralement sur les données. Donc, OK, on a des capteurs installés un peu partout dans la maison. Ces capteurs-là vont effectuer vont collecter diverses mesures, plusieurs données. Après cela viendra l'étape de pré-traitement de ces données-là pour les réorganiser et les analyser. Et c'est une fois les données prêtes, c'est là où va intervenir l'intelligence artificielle pour justement trouver les liens entre ces données-là. Par exemple, au début de l'intelligence artificielle, il y avait les systèmes experts où ils se basaient plus sur
ils essayaient en quelque sorte de reproduire le raisonnement humain, le processus de prise de décision d'un humain. Mais après, ils se sont rendus compte que c'est une étape très, très complexe, ça prend énormément de temps. Donc il y a eu l'apparition des algorithmes d'apprentissage automatique qui, contrairement aux systèmes experts, il n'y a pas de connaissances à extraire ou de règles à programmer, mais plutôt c'est l'algo par lui-même qui va se charger de trouver les liens au sein des données pour pouvoir faire le lien justement entre la donnée et la décision prise. Comment ça fonctionne ? Ça passe par deux étapes. Donc la première étape, c'est l'étape de l'entraînement où justement on passe et la donnée et la décision prise. Ça demande une quantité énorme de données pour pouvoir apprendre et faire les liens derrière. Et le but, c'est de pouvoir faire une inférence dans le cas où on n'a pas de décision. Donc cette fois-ci, c'est la deuxième étape après l'entraînement, qui est l'inférence. On passe les données et c'est à l'algo de prendre la décision. Et dans notre cas, c'est plus reconnaître une activité ou détecter des anomalies. En parlant de reconnaissance d'activité, qu'est-ce qu'une activité ? Ça peut être un mouvement répétitif du corps humain. Si, par exemple, la personne porte un bracelet grâce aux mesures de son accéléromètre, toujours, on pourra savoir que si la posture est statique, la personne elle est assise, c'est plutôt une transition, donc elle s'est réveillée, enfin elle s'est levée, ou c'est une posture dynamique, elle court, elle monte les escaliers, etc. Une autre manière aussi de détecter une activité, c'est cette fois-ci en se basant sur la manipulation d'objets dans la maison. Donc les capteurs, cette fois-ci, ne vont pas être sur la personne elle-même, mais plutôt sur les objets de la maison. Par exemple, sur la bouilloire de la cuisine. Donc quand il y aura un déclenchement du capteur de la bouilloire, cela veut dire que la personne prépare son petit déjeuner ou dans ce sens. Et toujours dans la reconnaissance d'activité, on peut la reconnaître soit grâce à l'ordre de manipulation de ces objets-là, justement, de la durée et la fréquence d'utilisation, c'est que l'emplacement au sein de la maison. Et en parlant d'anomalie, toujours au sein des données, une anomalie, ça peut être une absence d'activité, une activité qui a une durée anormale, une fréquence d'occurrence anormale durant une période donnée ou un enchaînement anormal des activités dans le temps. Voilà pour ce qui est de la définition de la smart home et de l'IA au service de la personne âgée. Maintenant, pour ce qui est des défis du développement des maisons intelligentes, on en trouve plusieurs. Parmi eux, il y a l'hétérogénéité des technologies et protocoles de communication, parce que oui, hélas, c'est pas vraiment standardisé. Il y en a plusieurs fournisseurs de capteurs, plusieurs types de réseaux, donc il y a vraiment un sérieux problème quand il s'agit de, pour assurer justement cette communication entre les divers capteurs de la maison. Il y a aussi la fiabilité de la solution. Et on trouve aussi la sécurité, le respect de la vie privée, l'adaptation au mode de vie actuel et changeant, et enfin la perception des utilisateurs des technologies de la smart home. Dans notre cas, les utilisateurs, c'est les personnes âgées. Donc c'est pour cela, avant de passer à la conception de notre solution, nous avons commencé par une étude de l'acceptabilité des solutions Smart Home par les seniors. En se basant sur la littérature, enfin pour commencer, nous avons trouvé qu'il existe plusieurs théories qui étudient cette acceptabilité des nouvelles technologies. La première, c'est la théorie de l'action raisonnée, qui trouve que l'intention comportementale
Elle dépend d'une part de l'attitude, qui est une combinaison des croyances et de l'évaluation des conséquences de l'utilisation, enfin, du comportement, et d'autre part des normes subjectives, qui est la mesure dans laquelle le comportement de la personne est influencé par les croyances et les actions de ses proches. Par la suite, il y a eu la théorie du comportement planifié qui, elle, vient d'ajouter un autre facteur qui est le contrôle comportemental perçu. Et dans notre cas, le modèle qui correspond le plus à notre cas d'étude, donc la Smart Home, c'est le Technology Acceptance Model, qui trouve que l'intention comportementale dépend de l'utilité perçue vis-à-vis du comportement, ainsi que la facilité d'utilisation. Par la suite, il y a eu plusieurs améliorations ou évolutions de ces modèles-là. Il y a eu l'intégration de plusieurs facteurs. Donc, il y a eu le TAM 2, 3, etc. Je ne vais pas les détailler ici, mais voilà. Et récemment aussi, il y a eu des études qui se sont intéressées, d'une part, aux seniors. Donc, ils n'étudient pas que l'acceptabilité de manière générale, mais plutôt dédiées vraiment au cas des personnes âgées. Il y a aussi des études dédiées à l'acceptabilité des solutions Smart Home par les personnes âgées, toujours. En restant toujours dans les modèles théoriques d'acceptabilité, un bon nombre des premiers modèles qui sont apparus dans l'état de l'art, et ils ont négligé la dimension de la stabilité, du changement, de l'acceptabilité. Parce que le processus d'adoption d'une technologie, il passe par plusieurs étapes. Des fois, au départ, on l'adopte, mais c'est juste momentané. L'essentiel, il y a plusieurs facteurs qui influent ou qui impactent cela. Pour revenir à l'adoption de notre technologie, donc la question qui se pose, c'est justement qu'est-ce qui rend un produit utile et facile à utiliser. La réponse n'est pas évidente et elle dépend de plusieurs facteurs qui sont liés principalement à la personne âgée, à la technologie en question, mais aussi à l'environnement physique ou social qui entoure la personne. Pour ce qui est des facteurs d'acceptabilité et de rejet des nouvelles technologies qui sont liées à la personne, dans un premier temps, on trouve les caractéristiques de cette personne-là, justement. Donc, ses capacités physiques et cognitives, l'anxiété technologique qui dépend principalement de la peur du changement ou la peur de... Disons que ça part du principe où les personnes âgées disent qu'on manque d'expérience vis-à-vis des technologies, je ne sais pas faire, ou aussi il y a la dimension santé qui influe là-dessus. Donc quand il y a quand les capacités physiques ou cognitives ne sont pas, c'est plus un frein qu'une motivation. On trouve aussi le problème de confidentialité et de la confiance d'une personne, parce que oui, il existe des personnes qui sont de nature à ne pas s'ouvrir trop. Par exemple, le passage d'une personne dans son... En revenant vers le cas des EHPAD, le passage d'une personne dans son appartement au logement pour faire le ménage le dérange parce qu'il n'accepte pas de présence dans sa vie, enfin, dans son lieu de vie plutôt. Toujours dans les facteurs, il y a aussi le besoin perçu d'utiliser une technologie et justement, est-ce qu'elle est compatible à mon besoin, le contrôle que je peux avoir sur la technologie, la satisfaction et le plaisir que je peux en tirer. Il y a aussi la volonté d'investir du temps, de l'argent, des efforts, parce que oui, pour adopter une technologie, il faudra bien passer par une certaine période d'apprentissage.
Et aussi, il y a le facteur changement subi dans la vie qui influe là-dessus, donc que ce soit au niveau de la santé, des objectifs ou financièrement parlant. Pour ce qui est des facteurs qui sont cette fois-ci liés à la technologie, il y a l'utilité, la facilité d'utilisation, il y a les propriétés de la technologie, donc à savoir son poids, le volume, la batterie, stockage, etc. Il y a le coût, donc oui, est-ce que la personne peut se permettre cela, surtout pour les personnes à faible revenu. Il y a la fiabilité, si la technologie m'offre des services qui sont pas fiables, enfin, à quoi bon de l'adopter. Il y a aussi sa non-intrusivité. En parlant d'intrusivité, elle peut être perçue selon diverses dimensions. Il y a la dimension physique qui peut être décrite selon l'inconfort qu'on peut ressentir en la présence de la technologie, un obstacle spatial quand on l'a dans la maison ou esthétiquement parlant. Pour ce qui est de la dimension utilisabilité, on remarque c'est plutôt quand on remarque un manque de convivialité ou d'accessibilité, des exigences supplémentaires en termes de temps et d'efforts. Pour la confidentialité, c'est plus la fuite d'informations personnelles. Pour la dimension fonctionnelle, c'est plus ça réside quand la technologie n'est pas performante ou elle donne des mesures qui sont inexactes. Il y a aussi l'interaction humaine à prendre en considération parce que dans le cas où il y a une absence de réponse humaine dans les situations d'urgence, il y a aussi l'image de soi pour les seniors parce que faut pas que la technologie soit stigmatisante et représenter un symbole de perte d'autonomie. Et enfin, la routine. Donc la technologie, faut pas qu'il ait une inférence sur les activités quotidiennes de la personne. Et enfin, il y a les facteurs qui sont liés cette fois-ci à la dimension sociale. Donc, c'est l'influence sociale et les conseils d'experts et fournisseurs de soins à domicile qui peuvent être très motivants pour adopter une technologie ou tout le contraire. Ils sont considérés aussi comme des conditions facilitantes parce que quand la personne utilise une technologie, elle sait que lorsqu'elle aura besoin de l'aide, il y a soit le, il y a, il y a, il y aura toujours du soutien juste à côté. Donc c'est encourageant. Et pour finir, il y a les caractéristiques aussi de la maison si on veut déployer des capteurs de dents ou autres. Donc nous sommes parvenus à quelques recommandations à prendre en considération pour notre solution et qui sont dans un. Enfin, le premier, c'est bien évidemment répondre aux besoins spécifiques à ces personnes-là, notamment ceux liés à la santé et à l'assistance à la vie quotidienne, parce que comparer cela au confort ou à l'économie d'énergie, ça ne pèse pas tant que ça devant la santé. Il faudra aussi prendre les limitations fonctionnelles en considération, par exemple la perte de vision ou les déficiences auditives. Il faudra pallier la résistance à la réalité négative d'une identité vieillissante, soit par un accompagnement social encourageant ou en concevant des solutions non stigmatisantes, mais plutôt grand public. Et justement, qui nécessite un effort minimal d'installation, de configuration et de contrôle de la part de la personne, et cela compte tenu du rapport des personnes âgées aux nouvelles technologies. Il faudra aussi définir au début des politiques claires et concises par rapport aux manipulations et partage de leurs données, ne pas interférer avec les activités de leur vie quotidienne, et enfin assurer une certaine continuité d'utilisation dans le temps, et cela grâce à une personnalisation. Donc pour ce qui est
Enfin, pour finir avec les spécificités de la solution que nous envisageons, donc c'est bien évidemment répondre aux besoins exprimés par les seniors et en utilisant des capteurs non intrusifs et légers. Donc en parlant de non intrusivité, on s'interdit d'utiliser des caméras ou de microphones, mais plutôt partir sur des dimensions où ça nécessite. Ou un bracelet léger ou un capteur pas très encombrant dans la maison. Pour la solution, une fois les données collectées, il y aura le traitement derrière. Et ce traitement-là, nous partons vers des solutions qui sont lightweight, légères en ce qui est. La légèreté, elle réside dans, d'une part, les coûts. Donc, en partant sur des dispositifs à ressources limitées, par exemple un Raspberry Pi ou un portable, donc en quelque sorte une solution qui fonctionne en utilisant l'intelligence artificielle embarquée, contrairement aux gros ordinateurs ou écrans qui sont très coûteux. La légèreté aussi en ce qui concerne l'utilisation. Donc, ne pas nécessiter des efforts ni de configuration ni de manipulation de la part des seniors. Et assurer aussi la fiabilité de la solution parce que oui, c'est cool de partir vers des solutions qui sont lightweight, mais il faudra aussi assurer la fiabilité des solutions. Et la personnalisation selon les profils des personnes là, en assurant des mise à jour au niveau de nos modèles. Et enfin, le but final, c'est bien évidemment d'offrir des bilans. Par exemple, si on est dans le suivi des paramètres de la santé de la personne, donc à la fin du traitement, on aura des bilans ou des détections des situations à risque et émettre des alertes pour les aidants ou pour leurs enfants. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très, très intéressante et très, très dense. Alors je vais passer la parole à l'Assemblée pour quelques questions, discussions. Qui veut tirer le premier ? Okay. Ce n'est pas une question, c'est simplement une petite observation. Oui. Je suis directeur de l'école doctorale SHS et on a organisé le doctorial au mois de juin dernier pour la 2U, donc Artois, Ulco et UPJV. Ouais. Et l'équipe de doctorants qui a remporté un petit concours, c'était à propos d'un système de téléphone mobile adapté aux personnes peu sensibilisé aux nouvelles technologies. D'accord. Voilà, ça rejoint un petit peu partie de vos problématiques. Et derrière, il y a plusieurs conférences de gens de votre équipe, de votre centre de recherche sur ces thématiques. Voilà, d'accord. Ça me rappelle. Ok. chose. Ok, merci. Oui, j'aurais une petite question sur les collaborations, justement, et les partenariats éventuellement envisagés. D'accord. Si on pouvait en savoir un petit peu plus sur, à ce stade, déjà des réflexions que vous avez ou déjà des démarches engagées éventuellement par rapport à des acteurs privés, publics, qui travaillent avec ce public senior. D'accord. Alors, pour ce qui est des partenariats, pour l'instant, on n'a pas encore conçu le prototype. On est toujours au stade de l'étude et de la conception. Donc oui, on avait eu besoin d'un partenaire pour la collecte de données, justement. Parce que au départ, notre solution, elle est destinée pour le vieillissement à domicile. Donc il fallait bien qu'on cherche des données réelles pour répondre à cela. Mais c'est quasi impossible de trouver des participants dans leur logements qui ont participé à notre étude. Donc on a contribué avec la Vie Active, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association dans les Hauts-de-France qui a plusieurs structures d'accueil de personnes âgées, donc des EHPAD, des structures, des résidences autonomie plutôt,
Et on a travaillé avec deux de leurs structures et c'est à leur niveau qu'on a pu faire la collecte de nos données. Donc installation de capteurs et en parlant de collecte aussi, il y a eu un recueil via entretien pour étudier cette dimension d'acceptabilité justement. Voilà. Après, plus tard, pour après conception de la solution, on n'a pas encore de vision claire. D'autres questions ? Non, moi j'en ai deux ou trois, même plus peut-être. D'accord. Je vais regagner ma place. Alors la première, c'est sur, tu as évoqué le bien-être financier, mais est-ce que ce sont des conséquences directes sur les aspects financiers ou ce sont des conséquences indirectes liées à un état de santé déficient qui va entraîner des pertes financières, hein, Dans la dimension bien-être financier, je pensais beaucoup plus aux économies d'énergie parmi les besoins de ces seniors-là, donc en dehors de gagner de l'argent. Voilà. Deuxième question, en fait, quel type de décision prend la maison intelligente, c'est il y a un problème ou il n'y a pas de problème. Enfin, quand il y a un problème, il y a différents niveaux de. Ça déclenche des alertes de différents niveaux. Quel est l'output en fait, de la maison intelligente? D'accord. Donc ça dépend du problème qu'on cible. Donc, par exemple, si on part sur la détection de chute, la décision prise, c'est oui, la personne elle vient de chuter. Où tout va bien. Pour l'instant, il n'y a pas eu de chute. Si on travaille sur les troubles de sommeil aussi, on peut avoir plusieurs niveaux. Donc oui, il y a un trouble. Et justement, le trouble, c'est qu'il y a eu plusieurs interruptions de sommeil durant la nuit ou il y a eu un réveil très tardif par rapport à d'habitude. Enfin, ça peut être au niveau de plusieurs dimensions. Enfin, d'accord. Voilà. Deux dernières petites questions. Tu as évoqué un apprentissage. Oui. Donc, comment ça se fait, un apprentissage de la maison intelligente ou des personnes âgées? Les deux. Parce que la personne âgée peut être actrice de. Oui. Elle peut interagir avec la maison intelligente d'une manière, c'est une question. Oui, oui. En fait, la personne âgée, elle est au centre de la maison intelligente. Donc, quand j'avais évoqué l'apprentissage, c'est l'apprentissage du comportement ou de. Bah, ça revient plutôt à la. À cette diapo-là de ce qu'est la reconnaissance d'activité. Donc, si. Par exemple, on s'étudie dans la détection de chute. Donc, l'apprentissage sera par rapport au déplacement de la personne. Donc, c'est ça. Oui, c'est la maison qui. La maison, elle répond et au centre, c'est la personne âgée qui est. Mais si on est plutôt dans la manipulation d'objets, donc là, on a des données qui sont liées plus à la maison parce qu'on est en train de manipuler les objets de la maison, mais après au final ça revient à la première dimension aussi parce que par exemple l'enchaînement de l'utilisation de ces objets là ça revient au comportement de la personne. Voilà. D'accord. Ces solutions là justement, quand j'avais le but de un des défis de mon sujet de thèse, c'est de ne pas faire un traitement sur un cloud, mais plutôt privilégier les solutions locales. Donc, une fois la mesure envoyée du capteur vers le dispositif qui va faire le traitement, il n'y aura pas un envoi via Internet et un calcul dans un centre de calcul, etc. Mais ça sera plutôt en local sur un dispositif à ressources limitées. Donc un Raspberry Pi, par exemple, c'est un mini ordinateur qui coûte une cinquantaine d'euros comparé à un vrai ordinateur et qui peut parfaitement répondre à cela. Mais le défi justement, c'est quand on fait
un traitement sur ce genre de dispositif, on perd en fiabilité, on perd en pas mal de... parce qu'on travaille sur des ressources limitées. Une étude du marché, j'en ai pas vraiment fait, mais par exemple, ces solutions-là, l'Apple Watch, elle a son prix, même si ça répond pas vraiment. Là, on est plus dans la solution qui offre plus de fonctionnalités que ce dont a besoin la personne âgée. Donc, c'est des coûts pour rien. Il y a aussi cette solution, par exemple, il y a des frais d'achat et il y a des frais aussi de suivi. C'est un peu le principe de la télé-alarme, où tu payes un abonnement de 40-50 euros par mois pour te suivre ou avoir quelqu'un à l'écoute, par exemple, quand tu fais ton appel d'urgence. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Commentaires ? Oui ? La solution locale que vous évoquez à l'ordinateur en local, les données se retrouvent dans cet ordinateur. C'est ça. Et alors par quel, quand même par un système, par Internet ou par Bluetooth ou comment est-ce que ça se... Pour l'envoi des... Oui, donc un Raspberry Pi, en fait, c'est ça. C'est une petite carte embarquée. Enfin, c'est un mini ordinateur. Enfin, c'est pas vraiment... Enfin, si, c'est un ordinateur, parce que si on branche un écran, un clavier, ça peut fonctionner comme un ordinateur. C'est juste que c'est beaucoup plus restreint côté performance et côté mémoire, côté machin truc. Et oui, pour revenir à votre question, ça fonctionne via Bluetooth, un Raspberry Pi. Donc l'envoi se fait du capteur à ça, soit via Bluetooth, soit via câble, soit il y en a plusieurs. Et sur ce dispositif-là, il y a moyen de sauvegarder les données, d'effectuer le traitement aussi parce qu'il a un processeur, prendre la décision et, par exemple, lancer un appel. Ou toujours en local. Et voilà, donc comme ça, il y a moins de frais, il y a aussi plus de respect de la vie privée, parce que les données ne vont pas partir en Chine ou aux US pour être traitées. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.